Un support de communication interne. Une démarche de projet en BIM est par définition collaborative et permet de rassembler formellement les acteurs autour d'un même projet. Sa force est de pouvoir associer toutes les expertises des acteurs du projet, quel que soit leur stade d'intervention et leur niveau de compréhension des pratiques numériques. Les plans en 2D ont cette limite qu'ils ne permettent pas une représentation réelle des objets. La 3D et les rendus photoréalistes, en revanche, rendent accessible la compréhension des projets par tous. Le BIM permet donc de mener des revues de projets collectives et immersives. Les salles de revues de projets permettent d'accueillir toute l'équipe projet autour d'une table et de la maquette numérique projetée en 3D. Sous réserve de pouvoir disposer d'une station informatique assez puissante et d'un logiciel adapté pour visualiser la maquette, la revue de projet peut alors se faire autour d'un support graphique réaliste. Les maquettes numériques métiers sont alors utilisées en direct et superposées pour réaliser des revues de conception fines pour chaque corps d'État, structure, réseau, aménagement paysager. En complément, la mission de synthèse permet de compiler toutes les maquettes disponibles afin de garantir le bon interfaçage des lots techniques entre eux, mais également le bon interfaçage avec les bâtiments qui viennent se connecter au projet d'aménagement.